الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 40 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. Nous sommes le 27 décembre 2014. Et aujourd'hui, nous entrons dans le 40e cours de l'étude de ce livre bénéfique, les chapitres dans la vie du messager, de l'imam ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Et le sujet du jour a la plus grande importance, puisqu'il concerne ce malheur qui a touché toute la communauté et par lequel l'ensemble des musulmans doivent être préoccupés. En effet, ce n'est autre que la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah azza wa jal arsala nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam liyukhrija bihi an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Hada Allah azza wa jal bihi an-nasa ba'da ad-dalala wa 'allamahum min al-jahala وبصرهم بعد العمى ونور لهم الطريق وعصمهم به صلى الله عليه وسلم مما يسخط الله تعالى. والله عز وجل يقول مذكرا عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى envoyer son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de guider les gens après leur égarement, de leur octroyer la clairvoyance après l'aveuglement, la science après l'ignorance, afin de les sortir des ténèbres vers la lumière, les ténèbres de la mécréance, du polythéisme, de l'attachement au cœur à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal s'est adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il lui a dit ce qui veut dire « Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes ». L'envoi de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est pour nous, l'ensemble des êtres humains, une miséricorde, un don d'Allah azza wa jal. Car c'est par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a guidés. C'est par lui, alayhi salatu wassalam, qu'il nous a enseigné ce que on ne connaissait pas et on n'aurait jamais pu connaître. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'envoya à un peuple d'illettrés, des gens qui ne connaissaient ni la lecture et ni l'écriture. Ces gens étaient plongés dans les ténèbres. Ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la plus grande des injustices. Leur cœur se tournait vers des autres divinités qu'Allah, celui qui mérite l'adoration par excellence, tabaraka wa ta'ala. Et Allah azza wa jal a regardé les gens et les habitants de la terre, il les détesta tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna allaha nazara ila ahli al-ardi famaqatahum » Allah a regardé les gens de la terre et les détesta tous. Illa baqaya min ahli al-kitab, à l'exception d'une infime partie des gens du livre, ceux qui continuaient à suivre la voie des anciens prophètes. Et c'est dans ce climat d'ignorance absolue, d'injustice, qu'Allah azza wa jal nous a envoyé ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre enseignant, notre père, notre imam, notre modèle. Allah azza wa jal a dit dans le Coran, dans surat al-Ahzab, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ce qui veut dire, vous avez certes en la personne du messager un modèle à suivre pour celui qui espère en Allah au jour dernier et qui évoque Allah abondamment. L'imam ibn Kathir rahimahullah
a commenté ce verset en disant وهذه الآية أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أي في وجوب التأسي به. Ce verset est un élément de base, une preuve fondamentale indiquant l'obligation de prendre comme guide le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal l'envoya à l'âge de 40 ans. Il en fit un prophète en lui révélant les 5 premiers versets de la sourate 96 du Coran, Al-Alaq, l'adhérence. Alors qu'il était dans cette grotte, seul, isolé des gens qui s'adonnaient à l'adoration d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal lui envoya Jibril, qui lui révéla ces 5 premiers versets. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Iqra, wa rabbuka al-akram. Lis, et ton Seigneur est le plus noble. Allama bil qalam. Il a enseigné par la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas encore qu'à partir de ce moment, une charge va être sur son dos, celle d'être le messager d'Allah Azza wa Jal, celle d'être le modèle de toute l'humanité, et ceci jusqu'au dernier jour, sallallahu alayhi wa sallam. Pris par la peur, il prend la fuite, sallallahu alayhi wa sallam, pour se réfugier chez son épouse, à l'époque qui était Khadija, radiyallahu anha. Celle-ci le rassura, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant qu'Allah Azza wa Jal ne le délaissera jamais, puisqu'il accordait l'asile à celui qui en avait besoin. Il aidait le besogneux, il venait en aide aux gens, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, des jours et des moments se sont écoulés après lesquels Allah Azza wa Jal a envoyé Jibril alayhi salam, encore une fois pour lui révéler les premiers versets de Sourate Al-Muzzammil, ce qui veut dire l'envelopper. Pourquoi l'envelopper? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a pris la fuite chez les siens, il a dit à ceux qui étaient avec lui, Zammilouni, zammilouni, dathirouni, dathirouni, enveloppez-moi, enveloppez-moi, couvrez-moi, couvrez-moi. Tellement il était paniqué sallallahu alayhi wa sallam, c'était une peur naturelle. Et puis suite à ça, on l'a couvert. Jibril est venu à lui et lui a révélé ses premiers versets, avec lesquels il deviendra maintenant un messager qui aura la mission de transmettre ce message à l'ensemble des gens. Et dans les premiers versets de cette sourate, il dit, subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muddathir, ô toi l'enveloppé, qum fa anzir, lève-toi et avertis, wa rabbaka fa kabbir, proclame la grandeur de ton Seigneur, wa thiyabaka fa tahhir, purifie tes vêtements, wa rujza fahjur, et écarte-toi des idoles, jusqu'à la fin des versets révélés. Voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait dans un peuple de gens qui s'adonnaient à la fornication. Ils consommaient les boissons enivrantes. Ils allaient même jusqu'à tuer les filles. وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى. Et lorsqu'on faisait à l'un d'entre eux l'annonce d'une fille parmi les nouveau-nés, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Son visage s'assombrissait tellement il ressentait le désarroi. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Il n'aimait pas les filles. Il les enterrait vivantes. Il pillait les biens des autres et il s'entretuait. Dans ce climat, Allah Azza wa Jal va éduquer son prophète sallallahu alayhi wa sallam et va enseigner à toute personne sincère qui veut suivre la voie qui mène au paradis la méthodologie à suivre dans cette voie, dans cette pratique. Il lui dit « Qum fa anzir » « Lève-toi et avertis ». Avertis, c'est-à-dire transmet aux gens en les avertissant que s'ils persistent à adorer un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, que cette divinité soit un ange, un prophète, une pierre, des arbres ou quoi que ce soit d'autre,
ils encourent la colère d'Allah et son châtiment. Avertis ces gens. Vous voyez bien qu'Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les gens à l'unicité, au monothéisme, avant même de les interdire d'enterrer les filles vivantes, de commettre la fornication, de consommer le vin, de s'entretuer, de piller les biens des gens. Est-ce que cela veut dire que ces choses-là ne sont pas graves? Bien sûr que si, elles sont très graves. Mais il y a un message qui vient d'Allah Azza wa Jal. C'est que tant que la base n'est pas purifiée, le reste ne le sera jamais. Quelle est cette base? Purifier les cœurs de l'attachement envers un autre qu'Allah Azza wa Jal. Seulement après que les cœurs soient devenus purs, propres, ils soient rattachés à leur Créateur subhanahu wa ta'ala, les gens seront disposés à vraiment comprendre le but de leur vie. Et donc, tout ce qui leur est interdit, ils seront disposés à accepter ces interdits pour les délaisser, à accepter les obligations pour les mettre en pratique. Ceci est l'éducation divine qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَعَلَّمَنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن نَبْدَأَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ بِالدَّعْوَةِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَإِفْرَادِهِ بِالْعِبَادَةِ وَأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ شَيْءٌ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ إِلَّا إِذَا وَحَدْنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. Rien n'est utile dans ce bas monde si on n'a pas la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exécute à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Il réunit les gens qui sont autour de lui, les gens de Quraysh, sur les monts de Safa, pour leur dire: connaissez-vous de moi le mensonge? Connaissez-vous de moi quelconque trahison? Non, lui disent-ils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: je vous informe que je suis un messager d'Allah. J'ai été envoyé pour vous transmettre que vous ne devez adorer qu'Allah seul et sans associé, et que l'association à Allah est le pire des péchés. Revenez repentant à Allah et n'invoquez Allah. Sollicitez-le seul, sans aucun associé ni intermédiaire. Azza wa Jal. À partir de là, a pris naissance l'animosité entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui n'adhéraient pas à cette conviction, qu'ils pensaient être nouvelles alors qu'elle n'a jamais été nouvelle. C'est la même avec laquelle tous les prophètes sont venus. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Et nous n'avons pas envoyé, et nous avons envoyé à chaque peuple un messager pour leur dire: adorez Allah et éloignez-vous de l'adoration d'autre qu'Allah. Azza wa Jal. Tous les prophètes ont le même message. Tous les prophètes ont le même message. Tous les prophètes ont le même message. Ils sont venus appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Ils ne sont pas envoyés pour dire aux gens qu'Allah est le seul créateur, le pourvoyeur, celui qui octroie la subsistance, qui guide, qui égare. Ils sont envoyés pour appeler les gens à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence ce prêche magnifique et béni dans le village, dans son village natal, celui de Mecca. Et petit à petit, il a un adhérent, deux, trois, quatre. Il n'a pas d'armes, alayhi salatu wa sallam. Il n'a pas de moyens financiers, si bien que parfois des jours entiers s'écoulaient sans qu'il ne puisse manger de viande, sallallahu alayhi wa sallam. Des jours passaient où il n'y avait que de l'eau et quelques restes de dattes ou d'orge, sallallahu alayhi wa sallam. Mais son but était l'appel à Allah, chose qu'il a mise en pratique, alayhi salatu wa sallam. Ses ennemis avaient tout ce que pouvait souhaiter un homme de ce bas monde dans cette époque, comme moyens financiers, physiques, comme armes, comme tribus, comme armées, comme aides et autres. Et pourtant, à la fin, ils vont être les vaincus. Car Allah Azza wa Jal va apporter le secours à son prophète sallallahu
عليه وسلم. موت النبي صلى الله عليه وسلم فاجعة كبرى. La mort de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est un malheur, une affliction énorme qui toucha l'ensemble de la communauté. D'ailleurs, c'est le pire des malheurs par lequel les musulmans ont été atteints, et ceci jusqu'au jour dernier. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il voulait consoler les musulmans qui étaient touchés par la tristesse, par l'affliction, il leur disait: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. Lorsque l'un d'entre vous est atteint d'un malheur, qu'il se souvienne de mon malheur, car certes, c'est bien le plus grand des malheurs. Lorsque l'un d'entre vous est touché par la maladie, par la pauvreté, par quelconque problème dans les domaines divers de la vie, qu'il se souvienne combien a souffert notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as souffert dans la vie, souviens-toi que lui a souffert plus que toi. Si tu as connu la mort de tes proches, il l'a connu aussi sallallahu alayhi wa sallam. Il est né orphelin alayhi salatu wa sallam. Il n'avait pas son père. Peu de temps après, il va perdre sa mère. Son grand-père va prendre à sa charge, puis il va mourir. Son oncle va le prendre à sa charge, puis il va partir. Il va avoir un fils, il va partir. Il va avoir des oncles qui sont à ses côtés pour le secourir, et ils vont partir. Si tu as connu la pauvreté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort endetté. Si tu as connu la maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souffert comme jamais personne ne connaîtra une telle souffrance après lui. Qu'est-ce que tu as connu comme malheur? Le prophète alayhi salatu wasalam a dit: lorsque l'un d'entre vous est atteint d'un malheur, qu'il se souvienne du malheur qui m'a atteint, car c'est bien le plus grand des malheurs. Si on a porté atteinte à ton honneur, on a porté atteinte à la sienne. Allant même jusqu'à accuser sa fille Aïcha, une des femmes les plus pures de l'univers, radiyallahu anha. Naam. J'ai dit sa femme Aïcha radiyallahu anha, la fille d'Abu Bakr radiyallahu anha, une des femmes les plus pures de l'univers, d'avoir commis l'adultère, trompé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On essaya de le tuer à maintes reprises. Banu Qurayza, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur accorde l'asile à Médine, comme vous l'avez vu au cours de l'étude de cette biographie. Et alors, ils vont s'associer aux juifs de Banu Nadir et les laisser entrer dans Médine pour qu'ils puissent atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah va les humilier. Banu Nadir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirige vers eux et va leur demander de l'aide pour payer le prix du sang d'une personne qui a été tuée par un compagnon par erreur. Et comme ils avaient des liens entre eux, ils devaient payer. Ils lui ont dit: attends ici. Puis ils se sont concerté qui d'entre vous va aller tuer Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ils sont venus avec ce rocher pour lui jeter sur la tête, mais Allah azza wa jal l'a sauvé et a humilié ses ennemis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort après une vie toufi alayhi salatu wassalam ba'da ma'rifati ana al-tariq ma'rifatan haqiqiyya ba'da hayatin hafila binusrati dinillah بدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة ونهيهم عن الشرك. Le prophète alayhi salatu wa salam a connu la mort ou a goûté à la mort après une vie bénie, remplie de défense de la religion d'Allah et de secours, remplie de prêches à la vérité, d'enseignements, de conseils. Il corrigeait les erreurs, il guidait ceux qui étaient égarés par la permission d'Allah Azza wa Jal. Il n'acceptait pas qu'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit adoré sallallahu alayhi wa sallam. Ma taraka khayran illa dalla ummatahu alayhi wa la sharran illa hadharaha minh. Il n'a laissé aucun bien
sans appeler les gens de sa communauté à le faire. Aucun mal sans mettre en garde les gens de sa communauté contre ce dernier. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas trahi le dépôt qu'Allah lui a confié. Allah Azza wa Jalla lui a donné l'ordre de transmettre le message. Il l'a transmis dans sa totalité. Sallallahu alayhi wa sallam. À chaque occasion qui se présentait à lui, au combat, en voyage, en résidant, malade, étant affamé, wallahi, même étant affamé, il en profitait pour les appeler au tawhid. Il appelait les jeunes au tawhid, les femmes au tawhid, les vieux à l'unicité d'Allah, Azza wa Jal. Et tout ce qui se passait, il l'utilisait pour appeler les gens à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que cette nation a connu cette réussite promise par Allah dans le verset « وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا فَلَمَّا عرف الصحابة رضي الله عنهم معنى هذه الآية قاموا بها أتم قيام فبارك الله في حياتهم في دينهم وثبتهم ونصرهم ونجحوا في جميع مجالات الدنيا والآخرة. الله عز وجل a dit ce qui veut dire Allah a promis à ceux qui ont eu la foi parmi vous et qui ont fait de bonnes œuvres qu'il leur accordera la succession sur terre comme il a accordé à ceux qui les ont précédés. Il accordera force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il changera leur ancienne peur en sécurité. Quelle est la condition? Qu'ils m'adorent seul et qu'ils ne m'associent rien. Quand les compagnons ont connu la compréhension de ce verset, ils l'ont mise en pratique, ils ont réussi dans tous les domaines de la vie. Ils ont réussi dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla a attesté dans le Coran qu'ils ont réussi. Et qu'il rencontrera Allah en étant satisfait d'eux. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu les grandes batailles. Shahid al-Mashahid al-Kubra alayhi salatu wa salam. Il arrive le jour de Badr pour prendre la caravane. De façon imprévue, prendre la caravane des gens de Quraysh qui revenaient du Cham, de la région du Cham, avec un convoi commercial. Lorsqu'ils se présentent devant eux, qu'est-ce qui se passe? Ils voient les ennemis d'Allah Azza wa Jal. Ils voient un grand nombre d'ennemis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et alors, ils les affrontent. Et ceci va être la première grande bataille. Et les musulmans vont être les vainqueurs. Allah tabaraka wa ta'ala va infliger une lourde perte et une grande humiliation aux ennemis d'Allah Azza wa Jal. Puis des autres batailles vont venir. Elles ont toujours le même but. Élever la parole d'Allah, la ilaha illallah, et éradiquer de la surface de la terre le polythéisme. Effacer du cœur des gens l'attachement qu'ils avaient à un autre qu'Allah Tabaraka wa ta'ala. Arrive la bataille de Uhud, dans laquelle, après avoir reçu une leçon d'Allah, une éducation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les croyants vont être aidés par Allah et les ennemis vont être humiliés. Cette leçon dans laquelle Allah Azza wa Jal a transmis à tous les croyants que quand ils désobéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette désobéissance, ou bien quand bien même cette désobéissance concernerait une chose que les gens considèrent comme étant minime, en réalité, c'est la plus grande cause de la perte de la bénédiction et de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam en descendant de cette colline où ils avaient l'ordre d'y rester. Et puis ils ont été humiliés. Plus de 70 compagnons ont été tués.
Certains se sont même rapprochés du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire couler son sang et casser ses dents, ses canines. Béni sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah révèle les versets pour les éduquer. Ensuite, les ennemis d'Allah reviennent d'où ils sont venus, humiliés par Allah tabaraka wa ta'ala. Puis vient après ceci d'autres batailles comme celle de la tranchée des coalisés, Ghazwatul Ahzab. Abu Sufyan à l'époque n'est pas encore mécréant. Il réunit 10 000 parmi les tribus qui se sont alliées et qui ont formé cette coalition afin de combattre les musulmans. Mais Allah Azza wa Jal les a repoussés comme il dit dans le Coran. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. Et Allah a repoussé les gens qui ont mécru avec leur rage. Ils n'ont rien su prendre. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ. Et Allah a été suffisant aux croyants, car il n'y a pas eu de combat. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Et Allah est certes plus fort et puissant. Puis, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se venger des juifs de Banu Qurayza qui ont comploté avec les ennemis d'Allah, Azza wa Jal, si bien qu'il va exécuter 700 parmi ces gens et va faire captifs certains d'entre eux et constituer un butin de guerre conséquent qui va encore enrichir les croyants. Ensuite, d'autres batailles vont venir jusqu'au jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ouvrir Khaybar. Il va conquérir la ville de Khaybar où se trouvent des juifs. Ceci en l'an 7 de la Hijra, de l'émigration. Lorsqu'il conquit la ville de Khaybar, une femme juive arrive. Cette femme demande à des gens: qu'est-ce que cet homme aime comme nourriture? Les gens lui disent: il aime l'épaule du mouton. Elle prend un mouton, elle le fait cuisiner, elle le fait cuire et elle y met du poison, du venin, plus particulièrement dans l'épaule. Puis elle se présente au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit: voici la viande. On m'a informé que tu aimes la manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunit avec ses compagnons et prend de cette viande. Il en met un morceau dans sa bouche. Il ne commence pas à manger ce morceau que le morceau parle et lui dit: je suis empoisonné. Elle a mis du poison. Sors-moi d'ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde ses compagnons et leur dit: arrêtez de manger cette viande, elle a été empoisonnée, cette viande vient de m'avertir. Il sort la viande de sa bouche, mais du poison est rentré dans son corps. Sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 7 de l'Hégire. Il n'a fait aucun effet, mais il est resté dans son sang et il coulait son sang, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a fait aucun effet à cette période, et ceci est un signe d'Allah Azza wa Jal. Car Allah a voulu protéger son prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a voulu qu'il mène à bien sa mission qu'il n'avait pas encore concrétisée totalement sallallahu alayhi wa sallam. Puis d'autres batailles arrivent comme celle de Mu'ta où le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie ses compagnons en désignant 3 commandants de guerre qui sont Zayd ibn Haritha, Ja'far ibn Abi Talib, Abdullah ibn Rawaha. Il dit que si Zayd tombe, Ja'far prendra la relève. Et si Ja'far tombe, Abdullah ibn Rawaha prendra la relève. Ils y vont. Ils arrivent à Mu'ta. Et qu'est-ce qu'ils trouvent devant eux? Alors que eux sont combien? 3 000. Ils arrivent devant 100 000 personnes. Ibn Kathir rahimahullah a cité un avis des historiens, 200 000 personnes.
3000 contre 100 000 ou 200 000. Un combat va s'engager, suite auquel Zayd va tomber mort, radiyallahu anhu. Puis Ja'far va tomber, puis Abdullah ibn Rawaha. Puis les musulmans se concertent et désignent Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, et c'est lui qui va trouver la solution pour prendre la fuite. Et à la fin, seulement 12 musulmans sont tués. 3000 contre 100 000, et seulement 12 musulmans sont tués. Pourquoi ? Car comme l'a dit Abdullah ibn Rawaha à ses compagnons sur le chemin de Mu'ta, lorsqu'ils ont commencé à hésiter, car ils ont appris que les croyants, que les mécréants étaient très nombreux, il leur a dit « Wallahi, je jure par Allah, « Inna Allaha man lam yansurna bi kathrati adad wa la quwwa » Allah ne nous a pas apporté le secours de par notre grand nombre ou notre force. « Walakin innama nasarana bi hadha ad-din alladhi akramana bih ay bi at-tawhid » Mais il nous a secourus par cette religion par laquelle il nous a honorés, c'est-à-dire par l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est ceci la base essentielle de la religion. Puis d'autres batailles vont arriver, comme celle de Hunayn. Ensuite Hisar Ta'if, lorsqu'ils vont assiéger Ta'if. Puis après cela Fathu Makkah, la conquête de la Mecque. Ils vont conquérir la Mecque, ils vont revenir avec 12 000 hommes. Ils vont revenir à Mecca à 10 000, pardon. Et Allah Azza wa Jal va leur accorder le secours. Et puis il va révéler cette sourate, Suratul Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons accordé une victoire éclatante jusqu'à la fin du verset. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'appeler les gens à Allah. Il a connu toutes les misères, toutes les épreuves, la maladie, les problèmes, les discordes, la guerre, le sang qui coule, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a toujours été ferme. Lam yazal sallallahu alayhi wa sallam thabitan bi tathbiti Allah tabaraka wa ta'ala. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire ô toi le prophète, transmets ce qui t'est révélé de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, alors tu n'es pas considéré comme ayant transmis le message, et Allah te préservera du mal des gens. Tu prêches à Allah, tu secours la religion d'Allah, Allah te secourt. Tu enseignes le bien aux gens, Allah te secourt et t'accorde davantage de bénédictions. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum. Ou vous qui avez cru, si vous secourez Allah, il vous secourt. Le prophète alayhi salatu wassalam enseigne à ce jeune enfant, ihfadillaha yahfadhuk. Préserve Allah et il te préservera. C'est-à-dire, préserve les limites fixées par Allah, ne les transgresse pas, et tu verras qu'Allah te préservera le jour où tu en auras besoin. C'est ce qu'on a vu dans cette sira bénéfique. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller accomplir le pèlerinage de l'adieu, sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 10 de l'Hégire. Lorsqu'il décide de sortir de la Mecque, de Médine vers la Mecque, il est accompagné d'énormément d'hommes, sallallahu alayhi wa sallam, des dizaines de milliers. Certains disent même 100 000, sallallahu alayhi wa sallam. Il prend la route vers le pèlerinage qui va être appelé Hajjatul Wada'. On l'a appelé Hajjatul Wada'. Car c'est au cours de celui-ci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer à montrer les signes d'adieu à ses compagnons, dont nous allons parler, inshaAllah ta'ala. Il accomplit le pèlerinage, il donne les dernières recommandations aux gens de sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquels s'accrocher au livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala,
de se conformer aux enseignements d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'honneur et le sang qui est sacré des croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêche le jour de Arafat, il prêche aussi le jour du Eid, il prêche aussi quand il est au retour, sur le chemin du retour. Et pendant ce pèlerinage, il commence à leur donner les premiers indices qu'il va mourir. Sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, Allah révèle le verset ou la sourate, le secours, al-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idha ja'a nasrullahi wal fath. Lorsque le secours et la victoire d'Allah viennent, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Et que tu vois les gens entrer en masse dans la religion d'Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Alors, proclame la pureté de ton Seigneur et loue-le et demande-lui son pardon. Innahu kana tawwaba. Certes, il est accueillant au repentir. L'imam al-Bukhari rahimahullah nous rapporte, selon l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه سبحان ربك سبحانك ماذا؟ Le prophète صلى الله عليه وسلم disait سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. Il proclamait la pureté d'Allah dans ses noms et ses attributs. Exempt sois-tu, ô Allah, et loué sois-tu. Ô Allah, pardonne-moi. Il mettait en pratique le Coran. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit de cette sourate, de ce chapitre du Coran, « Hada fihi na'yu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa al-khabar an wafatihi ou bi wafatihi. » Il se trouve dans cette sourate l'information que le prophète va mourir. Pourquoi? Car maintenant les gens vont entrer en masse dans la religion d'Allah. La mission a été remplie. Le travail est effectué dans sa totalité. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir après? Rien d'autre que la mort. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sacrifier les bêtes le jour du Eid, le jour de la fête. Il y a 100 chameaux, certains que lui a apportés avec lui de Mecca et d'autres que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a apportés avec lui du Yémen. Puis quand le prophète alayhi salatu wassalam commence à les sacrifier, lorsqu'il arrive au chameau numéro 63, il dit à Ali radiyallahu anhu, prends la relève. Fahuwa nahara sallallahu alayhi wa sallam thalathan و 60 من الإبل ووكل عليا رضي الله عنه بنحر الباقي من الإبل قال العلماء هذه إشارة إلى قرب أجله إلى وقت موته حيث أنه كان في هذا الوقت بلغ من العمر 63 سنة فكأنه أراد أن يقول لهم إنني أتوقف هنا وكما أتوقف هنا في النحر فإنني أتوقف هنا في الحياة. Le prophète عليه الصلاة والسلام s'arrête après le 63e chameau, puis il dit à Ali de continuer. Certains savants ont dit le prophète عليه الصلاة والسلام a voulu leur montrer que tout comme il va s'arrêter au 63e chameau, eh bien, dans cette vie, il va s'arrêter à la 63e année, sallallahu alayhi wa sallam. Puis quand il va, au cours du pèlerinage, s'adresser à ses compagnons, il va leur dire, « Khudhu anni manasikakum, fala'allakum, fala'alli la alqakum ba'da ami hadha. » Prenez de moi vos rites, apprenez de moi le pèlerinage et la façon de le faire, car il est fort probable que je ne vous vois plus après cette année. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va continuer à montrer à ses compagnons qu'il va bientôt mourir, sallallahu alayhi wa sallam. Il va s'adresser à Fatima radiyallahu anha et il va lui dire
إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة. جبريل vient me voir à chaque année pour me faire réviser le Coran. وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. Et cette année, il est venu me voir deux fois. Il m'a fait réviser le Coran deux fois. Et je suis convaincu que c'est le signe que mon terme est arrivé. Fatima va pleurer, radiyallahu ta'ala anha. Plus tard, il va s'adresser à ses compagnons, radiyallahu anhum, et il va leur dire, « Inna abdan khayyarahu Allah, bayna zahrati dunya wa ma inda Allah, fakhtara ma inda Allah. » Il va leur dire, « Il existe un serviteur à qui Allah a laissé le choix entre les parures de ce bas monde et ceux qui se trouvent auprès d'Allah. Ce serviteur a choisi ce qui se trouve auprès d'Allah. » Abu Bakr se met à pleurer et dit, « Fadaynaka bi abaina wa ummahatina ya Rasulallah. » On serait prêt à donner pour toi nos pères et nos mères au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. « Faqala nas muta'ajibina bi qawli Abi Bakr. » ما لهذا انظروا إلى هذا الشيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله. Les gens ont dit, qu'est-ce que ce vieil homme a en parlant de Abu Bakr? Et lorsqu'ils disent le vieil homme ici, ce n'est pas un dénigrement, car c'était une personne âgée. Qu'est-ce que ce vieil homme a? Le prophète nous parle d'un serviteur à qui Allah a laissé le choix entre la parure de ce bas monde et ce qu'il y a chez Allah. Il a choisi ce qu'il y a chez Allah, c'est-à-dire c'est quelque chose de bien. Pourquoi pleure-t-il? Et pourquoi dit-il telle parole? Et Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, dit « Fakana al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallama huwa al-abd al-mukhayyar wa kana Abu Bakrin a'lamana bihi » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en vérité le serviteur à qui on avait laissé ce choix dont il parlait. Et Abu Bakr radiyallahu anhu était parmi nous celui qui connaissait plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi parmi les signes de sa mort proche sallallahu alayhi wa sallam, vous ne les entendez pas dans leur ordre, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque année كان كل عام صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان وفي العام العاشر اعتكف 20 يوما. Le prophète صلى الله عليه وسلم se recueillait dans la mosquée chaque année les 10 derniers jours de Ramadan. Et dans cette année, l'année 10 de l'Hégire, il se recueilla صلى الله عليه وسلم 20 jours. Et d'autres signes encore tous nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va bientôt mourir. قال ابن كثير رحمه الله فأقام بها صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة والمحرم وصفر ثم ابتدأ به وجعه صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة يوم خميس وكان وجعا في رأسه الكريم وكثيرا ما كان يعتريه السداع صلى الله عليه وسلم فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له فمكث وجعا 12 يوما وقيل 14 يوما والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم عليه واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه صلى الله عليه وسلم إلى الشام لغزو الروم فلما حصل الوجع تربصوا لينظروا ما يكون من أمره صلى الله عليه وسلم فقد صلى صلى الله عليه وسلم خلف الصديق جالسا. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم demeura dans sa ville les jours restants du mois de Dhul Hijjah, suivi des mois de Muharram et de Safar, avant que ne débute sa maladie. Un jeudi, alors qu'il se trouvait dans l'appartement de Maïmouna, il souffrit de la tête, étant souvent accablé de maux de tête. Malgré la souffrance, il continua à accorder à ses différentes épouses la nuit à laquelle chacune avait droit.
mais le supportant de plus en plus difficilement, il leur demanda l'autorisation de demeurer le temps de sa maladie dans l'appartement de Aïcha, qu'Allah l'agré, ce qu'elle lui accordèrent. Il souffrit ainsi durant 12 jours ou 14 selon d'autres sources, au cours desquels, sur son ordre, Abu Bakr as-Siddiq dirigea la prière en commun à sa place. Il le dispensa donc de participer à l'expédition du Sham, commandée par Usama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préparé contre les Byzantins. Lors de sa maladie, les musulmans observèrent l'évolution de l'état du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui assistait assis aux prières en commun dirigées par Abu Bakr. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous parle des derniers moments du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort avec ses compagnons pour participer à un enterrement dans le cimetière connu sous le nom de Baqi' al-Gharqad, celui qui est proche de la mosquée du prophète actuellement sallallahu alayhi wa sallam. Au retour de cet enterrement, une migraine commence à le prendre, un mal de tête commence à le toucher sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous ce que c'est? C'est le poison qu'il a mangé en l'ancêtre 3 ans avant, qui va commencer à faire ses effets. Pourquoi est-ce que pendant 3 ans il n'a pas eu d'effet? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé afin qu'il puisse transmettre le message d'Allah. Une fois le message transmis entièrement, Allah azza wa jal a voulu montrer à ses serviteurs que le prophète n'est qu'un homme et que les hommes sont voués à disparaître. Il y a donc 2 sagesses dans cet empoisonnement qui n'a pas eu d'effet, puis le jour où il a eu d'effet. Comme l'a cité l'honorable Cheikh Souleymane al-Rahili, hafidahullah. La première sagesse, c'est de montrer que cet homme est bien un prophète, puisqu'il a pris de ce poison, et pourtant ce poison n'a pas eu d'effet sur lui, ni sur sa santé, sur rien d'autre de son corps, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose à retenir, c'est que lorsque le poison a commencé à faire son effet, une fois le message transmis entièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer à ses serviteurs que c'est un homme et que les hommes sont voués à périr et qu'il ne convient pas d'adorer un homme, car celui qui va mourir ne doit pas être adoré en dehors d'Allah. C'est pour cela qu'Allah azza wa jalla a dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. Et place ta confiance, remets-toi-en au vivant par excellence qui ne connaîtra jamais la mort. Ne t'accroche pas à quelqu'un qui va mourir. Ne t'accroche pas à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le voit dans nos pays musulmans, arabes, africains, asiatiques et autres. Ô combien sont nombreuses toutes ces personnes qui se dirigent vers des tombes, qui se dirigent vers des mausolées, qui se dirigent vers les sorciers, qui se dirigent vers les charlatans pour confectionner des talismans, des amulettes, des gris-gris, des porte-bonheur et toutes ces choses-là qui sont futiles et qui n'ont aucun pouvoir de repousser ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Allah Tabaraka wa Ta'ala va montrer aux gens que même le prophète va mourir sallallahu alayhi wa sallam. Et certains disent qu'il est mort de cet empoisonnement sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a cité des versets généraux et d'autres particuliers pour montrer la mort de l'enfant d'Adam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme va goûter à la mort. Il dit aussi Kullu man 'alayha fan. Tout ce qui s'y trouve périra, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sur la terre. Puis il dit de façon bien plus particulière à son prophète sallallahu alayhi wa sallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu périras et eux aussi périront. Il dit aussi wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Et Muhammad n'est qu'un messager avant lequel d'autres messagers sont venus. Est-ce que s'il venait à mourir ou à être tué, vous retournerez sur vos pas?
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Et celui qui retourne sur ses pas ne nuira en rien à Allah. وسيجزي الله الشاكرين. Et Allah rétribuera en bien les reconnaissants. Nous sommes tous voués à mourir. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient. Il rentre et il rencontre Aïcha radiallahu anha, qui elle aussi est touchée d'un mal de tête, d'une migraine. Elle lui dit, wa ra'sa, oh combien grande la douleur que je sens dans ma tête au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, wa ana wa ra'sa, et moi aussi, oh combien grande la douleur que je ressens dans ma tête, sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, il va leur dire, inni ajidu ta'ama sum alladhi wada'athu al-yahudiyya fi ta'am yawm khaybar. Je sens l'effet du poison mangé qui a été mis par cette femme juive le jour de Khaybar. Il commençait à sentir l'effet du poison qui agissait dans son corps de plus en plus. Et à partir de là, sallallahu alayhi wa sallam, les jours vont passer et la douleur ne va cesser d'augmenter et d'être de plus en plus forte, si bien qu'il ne pourra plus aller à la prière en groupe, sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire à ses compagnons, « Hariqu alayya min sab'i qirab, lam tuhalla awkiyatuha. » Il dit à ses compagnons, « Déversez sur moi 7 outres d'eau qui n'ont pas été ouvertes. » Et l'outre d'eau, c'est un récipient qui est utilisé pour y mettre de l'eau. « Déversez sur moi 7 outres d'eau pour ceci afin de retrouver une forme, afin de se lever. » Il dit, « La'alli a'hadu ila nas. » Peut-être je pourrais me rendre chez les gens, c'est-à-dire pour les conseiller, pour les orienter. Voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ça dans le sang. Ad-da'watu ila Allah, le prêche à Allah, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, il coule dans son sang. Il est malade, il est mourant, mais il dit, versez sur moi de l'eau, peut-être que je retrouverai une vitalité pour aller encore orienter et conseiller les gens sallallahu alayhi wa sallam. La dernière prière, il va l'accomplir avec ses compagnons, c'est la prière du Maghrib sallallahu alayhi wa sallam. Dans la première rak'a, il va réciter Sourate Al-Mursalat. Sourate Al-Mursalat, elle fait à peu près une page ou un peu plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, pour arriver à l'endroit de l'imam, il ne marche pas, mais ce sont ses compagnons qui le portent. Chacun porte un de ses bras et ses pieds traînent par terre sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à arriver à la place de l'imam pour continuer à prier, pour continuer à diriger la prière sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il ne pourra plus accomplir la prière. Il rentre chez lui après la prière du Maghrib et il attend la prière du Isha. Bilal vient, radiallahu anhu, et lui dit, « Uqimati salat, ya Rasulallah. » L'heure de la prière arrive au messager d'Allah, celle du Isha. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va essayer de se lever pour aller accomplir la prière, mais il va tomber. « Yaqumu sallallahu alayhi wa sallam, yuridu an yusalliya bin nas, yuridu an yaquma bimuhimmati, sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa yushahidu anfasahu l'akhira. » Alors qu'il est dans ses derniers moments, il se lève et se dirige vers la place de l'imam sallallahu alayhi wa sallam, mais yurma alayhi, il s'évanouit sallallahu alayhi wa sallam. Puis il se réveille, fayufiq sallallahu alayhi wa sallam. Puis la première chose qu'il dit, awwalu ma yaqul, asalla an-nas, les gens ont-ils prié? Les compagnons disent, la innahum yantadhirunaka ya rasulallah. Non, ils t'attendent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, déversez sur moi de l'eau. On lui déverse de l'eau. Fayajidu fi nafsihi khiffa fayaqum fayurma alayhi. Il se sent légèrement léger, il se lève et il s'évanouit une deuxième fois. Les compagnons attendent, il se réveille,
il dit Asal al-Nas, les gens ont-ils prié? Les compagnons disent non au messager d'Allah. La hum yantadirunaka ya Rasul Allah. Il dit déversez sur moi de l'eau. Il déverse encore de l'eau sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Il se lève, il s'évanouit encore. Il se réveille, il dit Asal al-Nas, les gens ont-ils prié sallallahu alayhi wa sallam? Les compagnons lui disent non, ils n'ont pas encore prié, ils t'attendent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit déversez sur moi de l'eau. On lui déverse de l'eau, il se lève, il s'évanouit encore, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, les compagnons attendent, il se réveille, il dit, Asal al-Nas, les gens ont-ils prié? La, hum yantadirunaka ya Rasulallah. Non, ils t'attendent, ô messager d'Allah. Faqala muru Abu Bakrin falyusalli bin-nas. Puis il dit, donnez l'ordre à Abu Bakr de diriger la prière. C'est alors que Aïcha arrive et elle dit, يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق أي سريع البكاء لا يتمالك في الصلاة أو مساجد الله أبو بكر est un homme sensible il pleure très rapidement حتى لا يسمع من بكائه قراءته si bien que lorsqu'il se met à pleurer on ne comprend plus ce qu'il récite tellement il est touché au messager d'Allah فمر عمر يصلي بالناس demande à Omar de diriger la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Mouru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Donnez l'ordre à Abu Bakr de diriger la prière. Aïcha va voir Hafsa radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wa sallam, la fille de Omar, et il lui dit Idhhab ila Rasulillah. Va voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et demande-lui, essaie de le convaincre de demander à Omar de diriger la prière. Hafsa vient et lui dit « Ya Rasulallah, inna Aba Bakrin rajulun raqiq, la yusmi'u qira'atahu min buka'i » À cause de ses pleurs et du fait qu'il est sensible, on n'entend pas ce qu'il récite. Et là le prophète alayhi salatu wa salam lui dit « Inna kunna antunna la sawahibu Yusuf muru Aba Bakrin falyusalli bin nas » Vraiment, vous êtes comme les compagnes les femmes qui vécurent avec Youssouf, demandez à Abu Bakr de diriger la prière. Certains pourraient se poser la question, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici, vous êtes comme les femmes dans l'histoire de Youssouf. Parce que dans l'histoire de Youssouf, la femme du Aziz, Imra'atul Aziz, la femme du maître, qui était séduite par Youssouf alayhi salam et sa beauté, a dit à toutes les femmes qui l'ont critiqué du fait qu'elle a été séduite par Youssouf, elle a dit à toutes ces femmes, venez, je vous invite. Et puis elle a donné à chacune de ces femmes un couteau et des patates pour éplucher. Puis, elle a demandé à Youssouf de sortir. Et Youssouf alayhi salam est sorti et il est passé devant toutes ces femmes. Et ces femmes se sont épluchées les mains tellement elles étaient séduites par la beauté de Youssouf. Alayhi salam, si bien qu'elles ont dit ma hadha bashara, ceci n'est pas un homme, in hadha illa malakun karim, mais il n'est qu'un ange noble. Pourquoi le prophète a dit vous êtes comme les femmes à l'époque de Youssouf? Ici il vise la femme du Aziz, tout comme quand il dit vous êtes, il vise Aisha radiallahu anha, car c'est elle qui avait une idée derrière la tête en réalité. Elle ne voulait pas que son père prie, comme la version de l'imam Muslim me rapporte. Elle dit Innani karihtu an yatasha'ama an-nas bi awwali man yaqumu maqama rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, j'avais peur que les gens n'éprouvent un sentiment négatif envers le premier homme qui va prendre la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète l'a ressenti, c'est pour cela qu'il a dit vous êtes vraiment comme les femmes à l'époque de Youssouf, donnez l'ordre à Abu Bakr de diriger la prière sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr se lève, il va diriger la prière sallallahu alayhi wa sallam, et puis les compagnons entrent dans cette prière. Au cours de cette prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille et il trouve la forme nécessaire à se lever. Il demande à ses compagnons de le porter.
Il le porte et l'emmène jusqu'à Abu Bakr. Lorsqu'Abu Bakr voit le prophète arriver, sallallahu alayhi wa sallam, il veut donner sa place au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète lui dit d'y rester. Puis le prophète vient à côté de lui, il s'assoit car il ne peut pas rester debout, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dirige la prière de Abu Bakr, et Abu Bakr dirige la prière des fidèles, alayhi salatu wa sallam. Il monte sur le minbar, il s'assoit car il a envie de donner encore des recommandations à ses compagnons. Il monte sur le minbar, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là qu'il va leur dire: il existe un serviteur à qui Allah a donné le choix entre la parure de ce bas monde et ce qu'il y a auprès de lui. Le serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah. Abu Bakr a compris qu'il parlait de lui et qu'il disait qu'il allait bientôt mourir, sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut la dernière fois où le prophète s'est adressé à ses compagnons. Ensuite, il rentre chez lui. Les jours passent, il devient de plus en plus malade. Et malgré sa maladie et la difficulté de l'épreuve, chaque jour il va chez une femme, car il a plusieurs femmes et il est juste envers ses épouses. Et chaque jour, lorsqu'il sort d'une femme pour aller vers une autre, on le porte et on traîne ses pieds par terre, sallallahu alayhi wa sallam. Puis à chaque fois il disait: Aina ana radan, aina ana radan, où suis-je demain, où suis-je demain? Yu'arridu yuridu bayta Aisha. Il faisait des allusions au fait qu'il voulait être chez Aisha, radiyallahu ta'ala anha. Puis il a demandé la permission à toutes ses épouses et elles lui ont accordé, sallallahu alayhi wa sallam, elles lui ont donné la permission de rester chez Aisha tous les jours. Et il y restait, sallallahu alayhi wa sallam, où il subissait et il se soumettait au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Aïcha vient chez lui, sallallahu alayhi wa sallam, et s'occupe de lui. Elle veille à ses soins, sallallahu alayhi wa sallam. Abdurrahman ibn Abi Bakr, le fils d'Abu Bakr, le frère de Aïcha, radiyallahu anhum ajma'in, rentre chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud arrive et lui dit: Ya Rasulallah, innaka la tu'aqu wa'kan shadidan. Ô messager d'Allah, je te vois souffrir, le sens rapproché, approximatif, je te vois souffrir, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Fatima radiyallahu anha qui voit son père souffrir et qui dit: wa karba abata, oh combien est grande l'affliction rencontrée par mon père. Le prophète lui dit: laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm. Il n'y aura plus d'affliction pour ton père après ce jour. Encore une fois, il montre qu'il va bientôt mourir, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, Abdurrahman ibn Abi Bakr a le siwak dans sa main, sallallahu alayhi wa sallam, le bâton avec lequel il se frotte les dents, radiyallahu anhu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regarde le siwak. Aïcha, radiyallahu anha, lui dit: tu le veux? Le prophète lui dit oui avec sa tête. Il n'avait même plus de force pour parler, sallallahu alayhi wa sallam. Et alors elle prend le siwak, elle lui donne. Le prophète alayhi salatu wa sallam le met dans sa bouche, mais n'a même pas assez de force pour bouger ses dents et ses mains pour frotter ses dents, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Aïcha radiallahu anha lui dit: tu veux que je le rende plus mou? Elle prend le siwak, elle le met dans sa bouche et elle le ramollit avec ses dents, puis elle le remet dans la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons ici qu'il prenait jusqu'à ses derniers moments toutes les causes afin d'avoir la satisfaction d'Allah. Car parmi celles-ci, l'utilisation du siwak. Le prophète a dit, alayhi salatu wa sallam, as-siwak mataharatun lil-fam mardatun lil-rab. Le siwak est une purification pour la bouche et un agrément pour le Seigneur, sallallahu alayhi wa sallam. Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, entre chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lève ses mains et murmure. Oussama voit ses lèvres bouger, mais il voit qu'il n'arrive pas à parler. Il dit Fa'alimtu annahu yad'u li. Subhanallah. Oussama dit J'ai su qu'il était en train de faire des dua pour moi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oussama radiallahu anhu, ce par quoi Allah l'a honoré. Avant que le prophète sorte de ce bas monde, Oussama se rend chez lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour Oussama, car il faisait partie des gens les plus aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Aïcha radiallahu anha regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle le voit qu'il prend de l'eau sallallahu alayhi wa sallam. Il se passe cette eau sur son visage et il dit parmi ses derniers mots La ilaha illallah, inna lil mawti la inna lil mawti sakarat. La ilaha illallah, inna lil mawti sakarat. Nulle autre divinité n'a le droit à l'adoration en dehors d'Allah. Certes, la mort a ses affres. Nulle autre divinité n'a le droit à l'adoration en dehors d'Allah. Certes, la mort a ses affres. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ô Allah, donne-moi ton aide pour supporter les affres de la mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle le voit regarder au ciel, le visage figé vers le ciel. Et elle dit Fa'alimtu annahu yukhayyar falam yakhtar. Elle dit, radiallahu anha, quand je l'ai vu figé au ciel, j'ai compris qu'on était en train de lui donner le choix. Pourquoi ? Car à chaque fois que un prophète va mourir, juste avant de mourir, on lui montre et on lui donne le choix. Est-ce que tu veux rejoindre ta place au paradis ou tu veux rester ici et avoir tout ce qu'il y a dans ce bas monde ? Aïcha a dit, c'est là que j'ai vu qu'il n'a pas choisi de rester avec nous, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'est mis à dire, sallallahu alayhi wa sallam, مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Il parlait, il a dit, avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, et les pieux, et quelle merveilleuse compagnie que celle-ci. Puis il dit, et ce sont les dernières paroles qu'il va dire, alayhi salatu wassalam, Allahumma al-rafiq al-a'la, Allahumma al-rafiq al-a'la, oh Allah, la plus haute compagnie, oh Allah, la plus haute compagnie, sallallahu alayhi wa sallam. Puis sa main a commencé à descendre, sallallahu alayhi wa sallam, tout doucement, et son visage a commencé à se refermer, ses yeux se sont fermés, et sallallahu alayhi wa sallam, son âme pure, est sorti de son corps pur, sallallahu alayhi wa sallam, et il est retourné chez Allah, subhanahu wa ta'ala, chez son créateur, chez celui qui lui avait accordé ce bienfait de la guider, chez celui qui lui avait donné cette mission d'appeler les gens à Allah. Wa wallahi, inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qama bi amrillahi, atamma al-qiyam. وأطاع الله سبحانه وتعالى وهدى الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة وعلم الناس وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام. Et par Allah, cet homme صلى الله عليه وسلم a transmis le message d'Allah تبارك وتعالى. Il n'a laissé aucun mal sans mettre en garde la communauté contre ce mal. Il n'a laissé aucun bien sans appeler les gens de la communauté à ce bien. فَمَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّةِ وَمَنْ اِقْتَفَ أَثَرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُوَ النَّاجِحُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Celui qui suit sa guidée, sallallahu alayhi wa sallam, qui suit ses traces, va réussir dans ce bas monde tout comme il va réussir dans l'au-delà. وكان من آخر ما قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس 5 jours avant de mourir صلى الله عليه وسلم il dit
ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Que la malédiction d'Allah s'abatte sur les Juifs et les Chrétiens. Ils ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux de culte. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Et vous ne le faites pas, ne faites pas des tombes de vos prophètes, des lieux de culte, je vous l'interdis. قالت عائشة ولولا ذلك أبرز قبره. Aïcha a dit, il met en garde les gens contre ce que les gens du livre ont fait. S'il ne l'avait pas fait, on aurait élevé sa tombe. Et il dit, en se tournant vers Allah avec humilité, avec soumission, il va invoquer Allah et il va dire Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Rawahu Ahmad rahimahullah. Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole adorée. Et il dit à ses compagnons de ne pas ressembler aux juifs et aux chrétiens qui adorent les tombes. Wal'iyadu billah. Et donc on voit que le prophète avant de mourir sallallahu alayhi wa sallam, et vous savez qu'avant de mourir on laisse les dernières recommandations, celles que nous allons considérer comme étant les plus importantes. Il aurait pu parler de ce bas monde, il aurait pu parler d'autres problèmes, mais il a parlé de l'adoration des tombes sallallahu alayhi wa sallam, car c'est l'éducation du tawhid. Il a dit aux gens, n'adorez pas les tombes et ne faites pas des tombes de vos prophètes des lieux de culte. Je vous interdis de le faire. Est-ce qu'il le faisait? Est-ce qu'il y a un seul compagnon qui adorait des tombes? Non. Avant même que ceci n'existe, il le met en garde, sallallahu alayhi wa sallam. Que dire alors quand des gens à qui Allah Azza wa Jal n'a pas donné la clairvoyance dans la façon de prêcher Allah disent qu'il est inutile de répéter sans cesse qu'il ne faut pas adorer les tombes, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait de ses dernières paroles cette recommandation sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il a mis en garde les musulmans contre les innovations avant même qu'elles n'existent, car c'est ça l'éducation, c'est de prévenir sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que le prophète décéda le lundi du mois, le 12 pour certains savants, du mois de Rabi' al-Awwal. Wa qubida sallallahu alayhi wa sallam dhuhan yawm al-ithnayn min Rabi' al-Awwal, فالمشهور أنه الثاني عشر منه وقيل مستهله وقيل ثانيه وقيل غير ذلك. وقد قال السهيلي ما زعم أنه لم يسبق إليه من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة التاسع أو تاسع ذي الحجة ثم تكون وفاته يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول بعده سواء حسبت الشهور كاملة أم ناقصة أو بعضها كاملا وبعضها ناقصا. Ibn Kathir رحمه تعالى dit, puis un lundi matin du mois de Rabi' al-Awwal, il s'éteignit sallallahu alayhi wa sallam. Selon la version la plus connue, il mourut le 12e jour de ce mois. Certains affirment cependant que sa mort eut lieu le premier jour de ce mois, ou selon d'autres le second. D'autres dates ont été par ailleurs avancées. Donc les savants ont divergé sur la date. Du moins il y a eu d'autres paroles que celle du 12 de Rabi' al-Awwal, qui pour certains est la plus probable et la plus proche de la vérité. C'est de dire que le prophète est mort sallallahu alayhi wa sallam le 12 de Rabi' al-Awwal. والله أعلم. الإمام السهيلي celui qui a le livre de Sira intitulé راضة الأنف, où il dit السهيلي selon à ce sujet السهيلي selon qui nul n'a fait cette remarque avant lui, affirme qu'il est impossible que le jour de Arafah, le 9e jour de Dhul Hijjah, soit tombé cette année-là un vendredi, puisque sa mort a eu lieu le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal suivant, et ce que les mois lunaires entre Dhul-Hijjah compris et Rabi' al-Awwal
ait été de 30 jours, de 29, ou certains de 30 jours et d'autres de 29. Il va parler d'une question en rapport avec le calendrier, car ou du moins on va passer inshallah ta'ala cette question et peut-être en parler plus tard. وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة ولله الحمد أفردته مع غيره من الأجوبة وهو أنه إنما وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم وعلى هذا يتم القول المشهور ولله الحمد والمنة. الله سوالوي. J'ai apporté à son objection une réponse parmi d'autres des plus probantes. Cette réponse est que ceci fut possible car la nouvelle lune, ceci fut possible, c'est-à-dire le fait que le prophète a donné le discours de Arafat un vendredi et qu'il est mort un lundi. Imam Suhaili a dit que ce n'est pas possible à cause du nombre de jours dans le mois. Ibn Kathir va répondre, car la nouvelle lune annonçant le début du mois de Dhul-Hijjah n'a pas été observée cette année-là, au même moment à Médine et à la Mecque, les habitants de cette cité l'ayant observée un jour avant les gens de Médine. Ainsi, la date la plus connue quant à sa mort, quant à la mort du messager d'Allah, reste admissible, louange à Allah, subhanahu wa ta'ala. وَكَانَ عُمُرُهُ يَوْمَ مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 63 سنة على الصحيح. À sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 63 ans selon la version la plus juste. قالوا ولها مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم ذكره أبو زكريا النووي في تهذيبه وصححه وفي بعضه نظر. C'est à ce même âge, dit-on, qu'Abu Bakr, Omar, Ali et Aïcha moururent également. L'imam al-Nawawi rapporte cet avis dans son livre intitulé « Tahdhib al-Asma wal-Lughat » tout en le considérant comme juste, bien qu'il soit en partie contestable. Al-Sheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, a dit « Il est connu que Abu Bakr, Omar, sont bien morts alors qu'ils avaient 63 ans. Quant aux autres cités ici, il faut étudier en profondeur pour en être sûr. وَقِيلَ كَانَ سِتِينَ وَقِيلَ خَمْسًا وَسِتِينَ. D'autres affirment qu'il s'éteignit à l'âge de 60 ans. Ceux qui ont dit qu'il est mort à l'âge de 60 ans, en réalité, n'ont fait qu'arrondir. Ils ne voulaient pas dire 63, ils ont dit 60. C'est une façon de parler dans la langue arabe qu'on appelle « ilra ou al-kasr ». En français, c'est le fait d'arrondir le nombre. Deuxièmement, d'autres encore affirment le chiffre de 65 ans. Ceux qui affirment le chiffre de 65 ans, comme a cité le Cheikh Abd al-Razzaq, ils ont cité l'année de sa naissance depuis le début. Donc ils ont compté déjà un an. Et l'année de sa mort, et il est mort au mois de Rabi' al-Awwal, ils ont compté toute cette année. Donc ils ont rajouté 2 ans, ça fait 65 ans. Donc en réalité, on sait qu'il est mort à 63 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadhihi al-aqwal al-thalatha fi sahih al-Bukhari an Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ces 3 âges sont mentionnés dans l'authentique de al-Bukhari d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma. فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم وعظم الخطب وجل الأمر وأصيب المسلمون بنبيهم. Les musulmans furent accablés par la disparition de leur prophète صلى الله عليه وسلم, qui fut un malheur pour chacun, au point où Omar رضي الله عنه contesta sa mort en affirmant qu'il n'était pas mort. وَأَنْكَرَ عُمَرْ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمُوتْ وَإِنَّهُ سَيَعُودُ كَمَا عَادَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ وَمَا جَنَّاسِ. Mais qu'il reviendrait comme Moussa était revenu à son peuple. Les musulmans furent en plein désarroi. Lorsque le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, tous les fidèles dans la mosquée se sont mis à pleurer. Ils pleuraient en sanglots.
Et vous vous imaginez un peu le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, qui les a accompagnés toutes ces années, aux côtés duquel ils ont combattu, ils ont fourni tous ces efforts, ils ont passé tout leur temps, leur père, leur éducateur, leur enseignant, le prêcheur à Allah, celui qui reçoit la révélation d'Allah, celui qui était la cause de leur bonheur dans ce bas monde et de leur réussite, est décédé. Ils le voient devant leurs yeux, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, il n'est plus là, alayhi salatu wa salam. Ils se sont mis à pleurer. Et l'imam Ibn Rajab, dans son livre La Ta'if al-Ma'arif, il dit que les situations, l'état des gens a varié d'une personne à une autre. Il y avait des gens qui n'arrivaient plus du tout à parler, d'autres qui n'arrivaient plus du tout à se tenir debout, d'autres qui ont perdu complètement la raison, d'autres qui n'arrivaient plus à réfléchir et ils n'arrivaient plus à se remettre, à revenir à l'esprit, à reprendre ses esprits et ainsi de suite. Omar radiallahu anhu arrive, il voit tous les gens en train de pleurer, il sort son épée et il dit « Wallahi, le prophète n'est pas mort », tellement qu'il était touché, tellement qu'il a souffert de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tellement qu'il avait souhaité que le prophète ne soit pas mort, il dit « Wallahi, le prophète n'est pas mort ». Et celui qui dit qu'il est mort, le prophète va revenir et va lui trancher la gorge. Il est parti parler avec Allah comme Moussa est parti parler avec Allah. Et il va revenir comme Moussa est revenu. Wallah que le prophète n'est pas mort. Wallah qu'il n'est pas mort. Il ne pouvait pas supporter. Abu Bakr arrive sur son cheval, radiyallahu anhu. Quand il apprend la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, il arrive à cheval, il descend humblement. Il entre dans la maison du prophète, il regarde. Il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam mort. Il découvre son visage. Il l'embrasse son front et lui dit « Tibta hayyan wa mayyita » « Oh combien tu es bon, mort, oh combien tu es bon, vivant, oh messager d'Allah. » Puis il sort, il va voir Omar et lui dit « Ijlis ya Omar, assis-toi Omar. » Et Omar ne l'écoute pas comme si que personne ne lui parle. « Wallahi ma mata Rasulallah, par Allah le prophète n'est pas mort. Ijlis ya Omar, assis-toi Omar. » Omar ne l'écoute pas. Alors Abu Bakr va s'adresser aux gens, il loue Allah, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réunit les gens et les gens laissent Omar et vont voir Abu Bakr et c'est là qu'il leur dit « Ayyuhan nas, où vous les gens ?»« Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat » « Celui parmi vous qui adorait Muhammad, alors Muhammad est mort, qu'il sache que Muhammad est mort. » « Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut » Et celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est le vivant qui ne mourra pas. Regardez, Thabat Abu Bakr, la fermeté d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, même dans cette calamité, ô combien difficile, radiyallahu anhu, il prend l'éducation que lui a transmise le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il se sert de cette situation pour ancrer dans les cœurs, enraciner, la ilaha illallah et le tawhid. Il leur dit, ceux qui adoraient Mohammed, il n'y avait personne parmi eux qui n'adorait Mohammed. Ceux qui adoraient Mohammed, alayhi salatu wassalam, qu'ils sachent que Mohammed est mort. Et celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant, il ne mourra jamais. Puis il récite le verset, وَمَا كَانَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ. Et Mohammed n'est qu'un messager, avant lequel d'autres messagers sont venus, jusqu'à la fin du verset. Puis quand Omar a entendu ce verset, il a dit, je connaissais ce verset, mais c'est comme si que c'est la première fois que je l'entends. Le verset où Allah dit que Muhammad va mourir, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à que tous les habitants de Médine se mettaient à répéter ce verset pour se consoler. Et Cheikh Abdelrazak a tiré une leçon de cet épisode. Il dit que toute personne qui est atteinte par la tristesse se console avec le Coran et cherche les versets du Coran qui sont en accord avec sa situation et les répète avec méditation. Et ceci fait partie de la parole d'Allah « Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un » et la « akhir al-aya » et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison pour
les croyants jusqu'à la fin des versets. وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك فما من أحد إلا يتلوها ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني ساعدة وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة فردهم عن ذلك وصدهم وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو بأبي عبيدة بن الجراح فأبي ذلك والمسلمون وأبى الله ذلك أيضا فبايعه المسلمون رضي الله عنهم هناك ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر. ابن كثير رحمه الله تعالى continue et dit: mais Abu Bakr al-Siddiq, qui fut assisté par Allah, fit éclater la vérité, prononçant devant les musulmans un discours au cours duquel il lut ce verset: Mohammed n'est qu'un messager, tout comme les messagers qui ont vécu avant lui. S'il mourait ou était tué, nierez-vous votre religion? Quiconque agit ainsi ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt ceux qui se montrent reconnaissants. Ce fut comme si les musulmans entendaient ces paroles pour la première fois. Chacun se mit alors à les réciter. Puis, accompagné des musulmans, Abu Bakr se rendit à la mansarde des Bani Sa'ida. C'est un endroit qui s'était accordé afin que Sa'd ibn Ubada devienne leur émir. Mais Abu Bakr s'y opposa en leur proposant Umar ibn Khattab radiallahu anhu ou Ubaida ibn al-Jarrah. Et donc, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans vont chercher qui va être leur futur gouverneur. Ils vont chercher qui va être leur futur gouverneur, car les musulmans ne doivent pas rester sans organisation, sans quelqu'un pour diriger leurs affaires, mondaines soient-elles ou autres. Et c'est ce qui va faire l'objet du prochain cours, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran.